Pays d'Haïti, on a gros tension dernier jour ça côté diverses zones dans capitale haïtienne. C'est coup de zam qui a chanté tant coup Delma 2, Delma 4, Delma 6, Martissant, bloc en bas la ville et la Trier qui donc gang yo sorti dans cachette. Population civile ou policiers tombés, en pile les autres obligés courir quitter zone yo, question pour sauver la vie face à violence, bandits sans foi ni loi. C'est pour ça nous allons avoir rester branché n'a tourner dans un petit moment. Mesdames, Messieurs, grosse salutation pour nous tous. C'est un plaisir pour nous entrer la CAO pour une beauté édition information ça pour vous. Nous sommes Wilson Octavius Kapzou. Merci parce que vous connectez et soit à peine fait ça, Nabzou. Bienvenue. Je te annonce, Haïti sous grosse tension côté depuis quelques temps, Sénégal Exam qui a coupé lâché divers côtés dans la capitale haïtienne. Bilan, plusieurs victimes, policiers tombés, population obligée déplacée pour aller réfugier l'autre côté, question pour protéger la vie contre Zak Bandio. Dans le niveau de l'État, l'autorité n'a pas seulement montré faiblesse face à l'action bandit, qui donc y a une population qui a deux bras balancés. Pour ça, nous allons l'analyser. Restez là. Je dis une situation qui est très inquiétante qui a développé dans le pays d'Haïti, c'est le phénomène d'insécurité. Je suis d'accord même, c'est pour une situation qui date d'hier, mais dernier jour, dernier temps, la situation est très inquiétante. Il y a beaucoup de sauté. Événement qui est pire, nous avons une zone Delma 2, Delma 6, Delma 4. Côté depuis ce maintenant c'est coup de zam qui a chanté, c'est moun qui a tombé, policier qui a mouri, c'est population qui a déplacé pour qui ça parce que gien ba cop police qui a passé et puis nèg zam ouvre cartouche bilan plusieurs policiers blessés, bon policier qui mouri malheureusement qui c'est l'image Gasley, yon policier agent 1 qui sorti dans 29e promotion la police là qui tombé dans cadre exercice fonction dans zone Delma. Donc, en réponse à Zak assassinat policier, divers policiers décident d'attaquer. Qui moun a l'attaqué? Il a l'attaqué barbecue dans la zone Delma 6 parce que d'après eux-mêmes, c'est un groupe liant, ou du moins G9 en famille et alliés, qui a à la base le policier l'image Gasley qui tombé hier 17 juin 2021 dans le niveau Delma 2. Car l'opération, on série de policiers amenés dans la zone Badelma et il y a un pile de monde dans la population civile qui est obligé déplacé parce que son opération qui était très musclée côté au début opération c'est gaz qui t'abaille et puis en pile coup de zam t'a chanté donc individu qui t'a fait partie de groupe barbecue qui c'est G9 en famille et allié et des gon l'autre slogan toujours d'elle qui c'est main une main tout donc individu qui t'a fait partie de ça répliqué à la police et en pile coup de zam chanté donc population était obligée quitter zone là by la police avec gang toki konyo. Donc et pas aujourd'hui situation ça il existait côté sin font remonter dans le temps après depuis début mois de juin une situation de tension qui a régné dans zone 3e circonscription Port-au-Prince spécialement dans zone Martissant côté gang Tibois avec gang Granville ap toki konyo et population encore li c'est lui même qui victime c'est lui même qui obligé déplacer donc on pourrait son pays qui censé gangsteriser côté bandit a fait la loi aux yeux et au su de tous sans pas peur rien avec toute quiétude d'esprit et récemment nous t'entendez et zone la boule et gain de côté dans zone au cap et côté bandit a pas problème donc son pays côté un gros passé mais qui le fait là-dedans sur le plan sécurité. Donc je dis à un pays qui a fait face à un phénomène d'insécurité qui chronique côté diverses zones, c'est de foyers de bandits et l'État lui-même est censé montrer faiblesse par rapport avec bandits des fois qui même qu'on défie l'autorité de l'État. Donc c'est une situation qui est grave et ça pire là, c'est que où est population lui-même chaque coup de situation de tension ça yo c'est droit li a violé donc le gang yo décide prendre la roue bien le gang yo décide goumer entre yo c'est population qui c'est victime c'est droit qui violé donc l'État lui même ou est censé délaisser moun yo pour compte sans aucune intervention efficace et efficiente pour ta mettre la peine en quartier ça yo surtout c'est le quartier défavorisé qui besoin de intervention d'urgence. Donc, je dis la paix a fait face à un climat d'insécurité qui est grave. Et ça, plus grave, c'est que ouais, le bandit a décidé de sortir dans tout. Ouais, c'est la population civile lui-même qui est la principale victime. C'est eux-mêmes qui sont obligés de déplacer. C'est eux-mêmes qui mourent. Et ça, pire encore, ouais, l'État censé la guerre pour contre eux.
dans zone yo parce que l'État a pas vraiment un plan pour intervenir pour rétablir la paix. Mais maintenant, si nous disons nous sommes pays n'a fonctionné, il y a l'État, conseil de structure nous mettait en place. Donc comment pour l'État camper à assister avec toute dégringolade ça dans niveau sécurité dans pays? Comment l'État fait prendre mal et plaisir pour assister ces bandits chaque jour qui terrorisent les gens, qui terrorisent la population pendant ce temps, l'État lui-même, il n'a jamais dit rien. C'est faiblesse l'État qui fait gagner pour tout pied ça dans le pays. Il y a des gens qui vont dire oui, c'est vrai, gagner là, mais gagner, ce n'est pas eux-mêmes qui achètent des armes, donc c'est pour eux, pour des armes. Donc c'est toujours faiblesse de l'État qui fait que des gens dans la société qui prennent plaisir à armer une série de éléments, on sait de individus dans une zone défavorisée qui probablement car néfaste pour yo même personnellement mais qui néfaste pour pays qui néfaste pour population dans son ensemble. Donc c'est faiblesse de l'État parce que si nous avons l'État qui fort, la fort est difficile pour gain un groupe monde qui décider comment des armes, vinn ba armes dans ghetto, vinn ba armes dans quartier défavorisé pour gérer question intérêt ou du moins pour assurer sécurité. Et c'est faiblesse c'est encore qui fait gain de secteur dans la société qui obligé certaines fois recourir à servition bandi donc obligé non seulement par bandi en zame bal corps pour protéger bien pour protéger intérêt pour protéger entreprise li parce que l'État lui-même le fait que il faible il pas qu'à assurer sécurité il pas qu'à protéger vie et bien citoyen yo donc en pile fois jeune gain de monde yo même pour compenser perte ça qui gagne dans la question de sécurité, ils sont obligés d'aller jeunes aux bandits pour entendre avec les pays pour protéger et intérêt pour eux. Donc l'État lui-même, on travaille pour l'État faire pour capable garantir sécurité moun yo kap viv dans pays. Parce que imaginons soit vivre dans pays gen pile moun ki gen zam la dedans et en pile fois c'est des armes qui illégales. Donc en pile fois au même moment, il y a une nécessité pour recourir à un quelconque forme de sécurité et en pile fois c'est pas l'État qui baoule parce que l'État n'est pas disposé vraiment de moyens. Donc en pile fois dans monde ça va pour action imposée c'est de action qui hors la loi qui en dehors des principes juridiques yo obligé entrer là-dedans question pour ca protéger vie, protéger intérêt, protéger bien etc. Donc l'État lui-même ne travaille pas pour le faire parce que situation d'insécurité qu'il a, il y a des conséquences graves sur population et sur pays en général. Parce que imaginons un monde à vivre dans une zone mortissant. Donc l'obligé quitter zone côté la vivre là. Donc là déjà ou gen tan wè qui conséquence ça gagne sur lui, l'obligé déplacer involontairement pour aller réfugier dans un espace peut-être qui pas approprié pour ça. M'a dit côté le tap vivre là, il était approprié parce que en pile fois zone tension ça c'est des zones défavorisées côté population lui-même la vivre dans une situation qui infrahumaine en pile là d'ailleurs. Donc côté le habitant, il pas vraiment approprié, mais côté le vinn réfugier là tout parce que la courir et pour insécurité la courir en bas coup de zambandi. Donc là encore il vient pire parce que là côté rien surtout en plus là dans le centre sportif Carrefour là oui donc centre sportif Carrefour là c'est pour un côté qui fait pour m'habiter son espace de jeu lié que on vient transformer en abri. Donc vous imaginez comment mon avait au témoigner lui dire comment eux-mêmes il avait une situation qui est difficile côté au le privé de tout il y a un côté et pour dormir vraiment il y a un côté il y a manger pour manger il y a pas d'eau pour boire c'est aide à prendre nommé et l'État qui en plus fois oublié ou bien ONG à prendre aide nommé qui probablement et pourquoi qu'arriver. Donc là ouais situation tension qui gagne et dans paysan il gagne de conséquences graves sur situation et population. Mais c'est pas population seulement et phénomène ça li affecté phénomène insécurité affecté gagne tout pays en général phénomène insécurité li affecté grandement parce que on prend un dernier rapport sorti sous pays et qui chef on fait Haïti dans niveau 4 là ça veut dire pays moun pas doué voyager pays moun pas doué venir là-dedans parce que son pays à tout moment n'importe bagarre qui a passé donc il préfère pour moun pas venir dans pays ça et conseil de pays même qui exhorte citoyens pour quitter pays si a vivre là-dedans pour quitter et si on pas quitter soit en raison de travail ou d'activité après de là-dedans il pas ta décider quitter pour très prudent pour pas sortir pour pas déplacer s'il pas nécessaire pour limiter conseil de déplacement non essentiel. Donc là ouais déjà son situation qui affecte pays dans plusieurs niveaux et on a une reste population
qui probablement pas vivre dans zone côté qui gagne tension yo, mais qui affecte tout par rapport à ça qui a passé dans le pays. Parce que c'est même tout, nous avons remis un jour au bon pays côté il y a parlé de bagarre qui bon de lui seulement côté c'est pas de violence à parler, c'est pas de gang à parler, côté c'est pas de moun qui prend décision armé bandi pour le régler propre affaire. Donc là où jeune moun sa yo quelque part au terroriser surtout chaque fois des nouvelles c'est et bandi qui a fait la loi, c'est moun qui a mouri et c'est policier et qui a mouri, c'est bandi qui a attaqué commissariat. Donc situation ça n'est pas fait vraiment honneur population, pas fait honneur citoyen haïtien qui sait ça qui vit dans pays, qui sait ça qui vit à l'étranger parce que yo toujours moun trop yo attaché à pays yo, yo attaché à tout ça qui passe dans pays yo, yo très informé tout pour connait qui ça gagne. Donc là imaginez comment yo senti affecté tant sur le plan psychologique que sur le plan physique. Donc son situation qui normalement doit interpeller autorité dans l'état pour prendre des mesures drastiques pour remédier à situation ça. Parce que imaginez si c'est les États-Unis, tu as un groupe gang qui décide de faire la loi. Imaginez qui sentence ou du moins qui sort qui t'a réservé avec. Parce que c'est un pays qui est structuré tant au niveau de l'armée qu'au niveau de la police. Donc chaque institution ça ou bien chaque structure ça ou, il y a un travail par pour faire, il y a une mission pour accomplir. Donc l'État lui-même, il dégage le coup de Jean-Jacques pour les ressources, pour mettre infrastructure, pour mettre structure, pour que vous puissiez répondre à la mission qui c'est protéger le pays, protéger la vie et bien la population, protéger et défendre le pays contre toute menace qui va venir de l'intérieur ou de l'extérieur. Donc après, vous même automatiquement un groupe, ou du moins une entité qui a décidé de prendre les armes pour semer la terreur dans la population. Donc vous avez pays ça, vous prenez responsabilité. Mais Haïti, ça fait autorité, nous n'avons pas qu'à prendre responsabilité. Nous n'avons pas jamais dit, mais quelque part, si nous avons analysé, nous avons pris un pile de bagaille qui empêchait l'État de répondre à la mission normalement. Une cause qui fait l'État pas qu'à répondre à la mission, c'est l'absence d'infrastructure. Parce que imaginons, nous avons une population d'environ 12 millions d'habitants et nous avons seulement environ 16 000 policiers pour sécuriser 12 millions d'habitants. Et 12 millions d'habitants, ça, c'est au jour le jour, il a augmenté. Donc, parce que chaque jour, on fait un veilleur. Donc, vous imaginez, vous avez une population qui a grandi à Ritsa, et puis vous avez la police, lui-même, ou du moins l'armée, c'est pas la marque sur place, côté où je n'ai pas de matériel et pas de assez de ressources humaines. Donc, là, normalement, nous comprenons comment l'État ne fait pas qu'à répondre à la mission. La situation nous est là, c'est pour une fatalité liée. C'est une situation qui a changé, mais pour changer, il faut que nous décidions, il faut que nous entendions et il faut que nous définissions des plans pour nous capables de résoudre le problème qui est là. Et un élément important pour porter une solution à la situation qui est là, c'est équiper l'armée, équiper la police et puis réduire l'inégalité qui est dans le pays. Parce que dans mon pays, où j'ai un petit groupe, il y a toute richesse dans elle, et puis la grande majorité, à vivre dans la crasse, à vivre dans la misère. Donc là, vous avez imaginé quelle frustration vous avez dégagé. Et depuis que vous avez une frustration, vous avez fait de jaloux. Et depuis que vous avez de jaloux, vous avez joué de actions regrettables qui vous poser. Bien évidemment, son situation qui a perduré tout autant par une décision qui prend pour remédier à la situation. Parce que j'ai une situation présentée là, il y a des éléments importants que nous avons tiré de lui. Il y a des bagages positifs nous avons tiré dans le climat d'insécurité qui est là. Il y a des opportunités nous avons jeunes. Parce que absent en liberté, et automatiquement absent en liberté, on ne peut pas quitter. À bail bleu seulement, il faut peser pour retirer toute sa clap dans l'an. Et la situation nous là, c'est un peu absent. Il était là, la situation d'insécurité, il était là, à l'état latent, il n'y a pas jamais éclaté dans le visage nous. Donc je dis, il est éclaté. Donc ça m'a demandé une intervention de toute entité, de tout acteur, de tout le monde qui concernait. Dans la question de sécurité dans le pays, donc là, demander pour une synergie entre eux pour définir des stratégies pour résoudre le problème d'insécurité qui est là. Nous avons l'armée, nous avons la police, donc c'est deux structures importantes nous avons qui pour établir la sécurité dans le pays, donc à nous-mêmes pour nous renforcer pour être capable de répondre à bien à la mission. Donc là, nous sommes allés sur la situation d'insécurité qui gagne dans le pays, nous avons essayé de différents paramètres qui sont liés avec le problème d'insécurité. Et nous vous merci parce que vous avez pris un petit temps pour nous entendre. Nous vous à très bientôt pour une autre édition. Ciao.